Toute la semaine, l'Opéra Théâtre accueille la 25e édition du concours international de chant de Clermont-Ferrand, une édition déclinée sur le thème de Vienne, et où 84 candidats venus du monde entier vont s'affronter à la clé des rôles prestigieux dans des créations à venir. Valérie Riffard, Alfonso Martinez. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites le fadiez? Oui. Qu'est-ce que je fais? Posez-les bien. Ok, parce que là, il est quoi? Il fait quoi? Il se promène. C'est l'unique répétition avec le pianiste avant son passage devant le jury. Et pour Halima Mamdi, c'est surtout l'ultime chance de peaufiner sa prestation. En fait, c'est toutes les petites mises au point sur des histoires de tempo, de respiration, de choses qu'il faut préciser. En fait, c'est un petit peu la couche de vernis avant le passage devant le jury. Alors qu'il y a encore quelques jours, elle interprétait Mercedes dans le Carmen de Simone Young au Théâtre des Champs-Élysées. Halima est venue tenter sa chance à Clermont, séduite par le répertoire proposé au concours de chant consacré cette année à Vienne. Un répertoire idéal aussi pour le baryton Guillaume Frey. Pour ma voix, il y a uniquement la catégorie leader. Et du coup, c'est assez rare une compétition de leader en France. C'est presque unique et du coup, voilà, c'est très très intéressant et je crois qu'on est quelques-uns à venir exprès pour ça. Mais s'ils doivent chanter une fois sur scène, les concurrents doivent surtout tenir un rôle. Car pour le jury, il ne s'agit pas de repérer la plus belle voix, mais d'engager entre autres les interprètes de plusieurs des personnages de l'Enlèvement du Sérail, la prochaine grosse production du Centre Lyrique de Clermont. On peut avoir une belle voix, mais avoir un comportement en scène qui nous fait apparaître une certaine raideur, bon, ce sont aussi des rôles qui vont être joués en scène. Donc on joue aussi, évidemment, et dans une audition, on doit sentir, on doit capter les possibilités des chanteurs d'être aussi comédiens. Fin du suspense samedi pour les candidats, à l'issue des délibérations finales qui consacreront sûrement les grands noms de demain.